Et bonjour à tout le monde, c'est Red Notes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois. C'est la troisième. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pour un tuto qui va s'intituler réaliser un coup du foulard avec Cristiano Ronaldo sur coup franc. Donc pour ça on se rend dans l'arène où on va créer un coup franc dans le demi-cercle en appuyant tout simplement sur une touche directionnelle. Donc voilà le geste en question. Donc voilà, on voit bien qu'il apprend un coup du foulard. Donc je vais vous dire tout ce qu'il faut faire pour réussir à réaliser ce coup du foulard avec Cristiano Ronaldo. Déjà, il faut savoir qu'il y a très très peu de joueurs qui savent le faire. Il y a bien évidemment Cristiano Ronaldo. Et il me semble qu'il y a aussi Ronaldinho, mais je suis même pas sûr. À part ces deux-là, je pense que c'est les seuls. Donc ensuite ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se trouver... obligatoirement dans le demi-cercle de la surface de réparation ou vraiment très très proche. Ensuite il faut absolument viser le poteau le plus à gauche de votre position. Si vous visez la droite, il le fera jamais. Vous pouvez donc l'utiliser sur coup franc pour tirer et pour essayer de marquer, ou même pour essayer de centrer. Je vais quand même vous dire que c'est un geste qui est assez compliqué à réaliser. Moi-même, ça fait 2-3 jours que j'essaie de le réaliser et j'ai encore du mal. Donc après, du moment où je vous ai dit la technique pour pouvoir le faire, il suffit donc de s'entraîner pour pouvoir essayer d'en mettre un. Alors dans un premier temps, il va falloir tirer avec la touche carré qui d'habitude est la touche pour centrer. Une fois que vous aurez appuyé sur carré, votre joueur va s'élancer pour prendre sa course d'élan. Et dans sa course d'élan, il va falloir appuyer sur deux fois la croix et après encore une fois sur le carré. Ce qui donne au final carré, croix, croix et carré. Une fois que vous arriverez à maîtriser le geste correctement, vous pouvez essayer avec le joystick directionnel de donner une trajectoire à votre ballon, mais c'est vraiment compliqué. Maintenant que je vous ai donné le secret pour réaliser ce geste, c'est à vous donc de vous entraîner pour réussir ce geste incroyable. Bah voilà, on arrive à la fin du tuto. Il me reste plus qu'à vous remercier. Donc je vous remercie, mes deux premières vidéos ont eu pas mal de vues, donc c'est cool. Si vous les avez pas vues, je vous invite à les regarder sur ma chaîne YouTube, à lâcher donc un commentaire. Et si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir et ça coûte rien. Donc je vous remercie, un gros big up à vous, et à la prochaine les gars.